Après, ce qu'on fait du coup, les gens? On va en route, préfecture. Préfecture ouais. Donc, il est le soir, par contre, on avait dit. Vous y allez directos? Ben, on n'avait pas dit qu'on y allait le lendemain matin. Pour lui laisser justement le temps de digérer et puis d'espérer un état un peu meilleur. Qu'elle soit réveillée, quoi. Bon, alors, je connais un petit bar dans le Châtelet. Ce qui est sympathique. Ah non! Ah non. Moi, si c'est ça. Ah non, si moi je vais passer ma soirée à voir si je peux pas gauler quelque part du un petit produit qui la détend, mademoiselle. Du GHB ou un truc comme ça. Moi j'essaie de voir avec mes contacts si je peux avoir des traces de Graissac, si quelqu'un l'aurait vu quelque part. Pas con. On aura entendu parler. Alors, je profite très bien de la nuit là pour regarder au niveau de la bibliothèque si je trouve quelque chose qui au niveau de l'état psychologique, quelque chose qui pourrait la faire passer justement sa catatonie, qui pourrait l'aider à aller mieux, mais plutôt au niveau psychologique et pas au niveau médicamenteux. Ok. Voilà, chercher dans mes bouquins, tout ça. Ok, je vais commencer par toi du coup. Tu vas passer ta soirée à regarder tout ce qui est fait en psychologie. Mmh. Et on verra demain si tu auras une réponse ou pas. Ok. Et je te dis, moi je passe ma soirée ou ma nuit à essayer de concocter un petit truc qui permette de la réveiller. Oui, pas de problème, hein. Tu vas faire de l'amphétamine. Ouais, par exemple, oui. Super. Et si vous allez voir, vous n'allez pas dormir. Prenez-en, vous dormez pas pendant 3 nuits. C'est génial. Elle va sautiller sur place. Et tes contacts, du coup, Edmond? Oui, je pensais notamment à Irène, je pense, qui est dans le milieu des relations sociales. Ah, ouais. Irène. Eh ben, qu'est-ce que tu veux lui demander exactement? Eh bien, de voir si elle a entendu des bruits au sujet de ce monsieur Graissac, et s'il en dernièrement il était vu quelque part, dans les dernières 24 heures. Ok, bah de toute façon il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux demander ça, c'est dans la conversation que tu pourrais avoir avec elle, il n'y a pas de souci. Donc bah, elle va te dire que là elle sait pas. Elle va poser des questions, mais elle ne pourra pas te donner une réponse tout de suite. Ok, poulette. La nuit passe. Vous avez donc vaqué à vos occupations. Comment j'ai dormi? Bah, très bien, c'est un bon choix. Après cette autre journée. Oui, avec père, etc. Avec père, petit caviar. C'est ça, champagne. Et bah du coup, vous avez rendez-vous. Vous êtes donné rendez-vous directement à la préfecture. À la préfecture. Ah bah oui. Oui. Ok. Oui. Bah vous rentrez et on vous reconnaît. On sait que vous faites partie de. De l'équipe de Graissac. Mais bizarrement, ça semble plutôt amical. Vous êtes quand même accueillis bien, on va dire, malgré les rivalités entre les polices. Et vous tombez sur un petit planton qui est là. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Claude. On vient voir Valentine. Je crois qu'elle était amenée cette nuit. Ah oui, je sais pas Jean-Claude, c'est Didier, comme la semaine dernière. Mais oui, mademoiselle Lenoir. Elle vient justement de partir pour la prison de Saint-Lazare. Ah, elle vient de partir. Ah oui, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Elle est en chemin, vous me dites, là? Oui. Et son état avait-il changé? Bien sûr. Oh non, malgré la nuit au dégrisement, non. Toujours pareil. Bah écoutez, on a un très grand spécialiste de la nature humaine avec nous. Des aliénistes. On a deux aliénistes avec nous. On va tout de suite aller voir Madame Valentine pour s'enquérir de sa déposition.
Moi, je fais plutôt dans la nature morte, hein, mais... D'ailleurs, j'y pense, il n'y a pas eu de déposition faite par Madame Valentine ? Dans la séjour jour chez vous ? Non, non, elle a juste fait la nuit. Nous, après, on l'a mis à la prison. Ah oui, c'est mieux qu'un hôtel. Vous ne pouvez rien tirer par le pas. Et je pense que, de ce que j'ai pu comprendre, Monsieur Lépine venu justice express. Je pense qu'on va essayer de l'avoir en prison. Bah, de toute façon, on n'a pas 50 000 pistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais... Bah, à part elle, il n'y a pas grand-chose. À part aller la questionner, elle, on n'a pas... Moi, que ces dames aient quelque chose d'autre à nous proposer. Juste, si... On ne fait pas aller voir au journal s'il n'y avait pas quelque chose sur ce monsieur Nobel. Non, je ne me souviens pas. Ce qu'on n'avait pas dit, peut-être il a une adresse sur Paris, c'est ça ? Je me souviens plus ce qu'on avait cherché sur ce Nobel. Si, vous avez essayé de savoir s'il y avait une adresse sur Paris, mais comme vous n'avez pas plus d'informations... Ah oui, on n'a pas réussi à trouver. Non. Vous savez qu'il était d'origine russe, a priori qu'il ne parlait pas très bien français. Le texte parlait d'une formule, mais c'était un petit peu vague quand même. Non, mais on va vous suivre... Et vous, ma chère Adèle, vous ne pouvez pas avoir l'adresse de monsieur Nobel s'il y a une adresse sur Paris ? Vous connaissez tout le gratin de Paris ? Je connais le côté républicain, très cher ami, mais je ne sais pas si avec père je peux avoir cette information. Je peux l'interroger, ça par contre. Il a une info là-dessus. Alors, il va te dire qu'il connaît un certain Emmanuel Nobel, qu'effectivement, c'était un russe. Il pourra pas te donner son adresse. Ouais, c'est ça. Père, voyons, quand même. Pourriez m'aider dans mon travail. C'est suffisamment compliqué. Oui, bah après, il va te dire que... voilà, il fait partie de la famille Nobel... Il va se dire que ce que tu as, c'est pas un travail. Le père modèle, quoi. Tu vois. Voilà, il ferait mieux de te chercher un époux. Et voilà. C'est ça. Ouais, sinon, comme piste, il n'y en est pas vraiment une, mais cette espèce de green là, qui nous colle au basque depuis. Et qui voulait à tout prix parler à Degrissac, monsieur oui. Degrissac. Est-ce que si on arrive à le trouver et à le prendre à son propre jeu, c'est-à-dire à le pister lui, est-ce qu'il pourrait pas nous amener à. Quelque chose qu'il aurait découvert et pas nous encore. Est-ce qu'il serait après nous s'il avait découvert quelque chose ? Mais ouais, c'est pas une mauvaise idée. Mais parce qu'il n'arrête pas d'être dans nos pieds tout le temps. Peut-être je vois pas pourquoi ce monsieur serait quelque chose qu'on ne sait pas. Enfin... Oui, et puis a priori, lui, il court après Degrissac à cause de l'article là qu'il a fait paraître. Il avait besoin d'une réponse, mais je pense pas que ce soit en rapport avec... On peut aller le voir. Hein. Oui. C'était quoi cet article ? Le problème, c'est que si on l'approche, lui, il va certainement pas nous lâcher les baskets, quoi. Ouais, on a déjà du mal à... C'était à quel sujet, cet article ? Depuis. C'était... Tu l'avais lu, l'article ? Oui. L'article, c'était en fait par rapport à la création du club. D'accord. Vous interviewez Monsieur Degrissac à propos de la création de son équipe, etc. Il est paru ? Ah bah non, comme on n'a pas pu avoir l'interview. Et... Mais après, toi, Adèle, tu le connais, hein, c'est tes collègues. Voyons, on n'a pas grand-chose hein, finalement en province, parce que cette Valentine, bon, il faudrait qu'on aille à la prison. Après, c'est facile d'avoir l'accès à la prison ou enfin, pour nous, on aura l'accès sans souci. Ouais. Si on a les cartes d'enquêteur, les plaques et tout ça, ça devrait le faire, oui. Ouais, vous pouvez entrer. Dans la déposition. Non, mais on essaye de suivre cette piste jusqu'au bout, parce que pour l'instant, on n'a pas de piste vraiment sûre, on n'a pas vraiment grand-chose en fait. Ok. Vous décidez donc de partir à la prison. Et c'est dans Paris ou c'est à l'extérieur ? Attends, juste. Non, c'est dans Paris, c'est vers Saint-Lazare. Juste deux secondes, tac tac.
C'est une prison que de femmes ? C'est une très bonne question. Je me suis supposé, mais je n'ai pas vérifié. Je crois que c'est... Ouais, normalement aussi, oui, je pense. Voilà. Vous arrivez donc sur cette place et vous passez, vous mettez au niveau des barreaux en fer tenus par deux gardiens qui vous demandent pourquoi vous êtes ici. Eh bien, je pousse notre ami. Je sais plus ce que c'est ton nom. C'est quoi déjà ton nom ? C'est Roland. Ah, Roland, mm-hmm. Voilà, Edmond Roland. Je pousse mon cher Edmond Roland en avant. Vas-y, parle. Bonjour Didier. C'est... On vient pour la déposition de Valentine, une nouvelle arrivée, je crois, qui vient tout juste d'arriver chez vous, dans le cadre d'une enquête criminelle. Et je monte ma plaque. Oui, la veuve noire. Oui, bah entrez. Il ouvre la porte en fer. Je vois que vous êtes un très bon policier, vous avez déjà fait vos conclusions. Écoutez, vous êtes fort doué. Oui, il l'appelle la veuve noire comme ça direct. Ah, parce que tout le monde est un petit peu au courant. Hein. Tu sais ce qu'on a trouvé là, que c'est son troisième. Par rapport à son dossier. Oh la vache, j'ai oublié des trucs. Moi, j'ai l'impression que Edmond, il prend des drogues aussi. Hein, ouais. Pas Edmond. Il teste sur lui. Hein. De Delaunay, j'ai l'impression. Ah, oui, Delaunay, ouais, voyons. Pas Edmond. Oui, bah excusez-moi, Edmond. Je vous en prie. Ça m'arrive. Non, un homme qui porte une si belle moustache et clean, c'est pas sûr. Oui, c'est sûr. Ok, vous rentrez du coup dans la prison. Et vous vous renseignez auprès des gardiens qui vous indiquent la pièce d'interrogatoire. Parce qu'elle n'est pas encore en cellule, elle est en salle d'interrogatoire. Ah, et qui c'est qui a demandé à l'interroger ? C'est toujours pour le compte de la police. D'accord, il y a du monde ? Non. Elle est toute seule en salle d'interrogatoire ? Elle est toute seule, habillée, recroquevillée sur sa chaise. Si vous croisez son regard, vous voyez un regard vide. Du coup, est-ce que j'ai trouvé des trucs, moi, pour non. Essayer de la... Non, tes recherches t'ont mené sur différentes pistes. Mais au niveau de la catatonie, tant que la personne ne fait pas l'effort de sortir de son mutisme, etc., tu peux rien faire. Sinon, on peut prendre la méthode policière via l'école. Hein. Oui, allez-y, Edmond. Une bonne claque, là. Je me disais, dans le portefeuille de Grissac, on a une photo de Grissac dedans, non ? Oui. Si on essayait de lui montrer une photo de Grissac, est-ce que ça la ferait réagir ? On pourrait essayer, éventuellement. Peut-être. Après, faudrait bien réfléchir au style d'enquêteur que vous voulez envoyer dans la pièce d'interrogatoire. Parce que peut-être qu'il faudrait la brusquer ou peut-être pas la brusquer, ça va dépendre de votre choix. Un illuminé ou un mentaliste ? Je pense qu'il faut un peu plus de finesse. Ouais. Donc c'est le prêtre en fait qui doit y aller. Hein. Mais moi j'oublie pas que j'ai préparé ma petite drogue pour lui filer ça. Les petites collerettes, ça va impressionner, ça. Ouais. On peut essayer, hein, mon père, écoutez. Du coup... C'est ça, notre petit curé. Tu rentres dans la pièce. Tu sens une forte... Je sens une odeur de quoi ? Il n'y a que lui qui rentre ? Moi j'ai compris ça, à moins que vous avez autre chose à me... Non, moi j'entre pas. C'est bien qu'il y ait... Moi je te file une petite seringue. Je te file une petite seringue, puis je lui dis... Dans un moment d'inattention, tu y plantes ce machin là dans le... si vous voulez qu'elle parle et qu'elle vous rejoigne, mon père, tiens. Peut-être en plan B. C'est le plan A, après c'est toi tu parles. Mais pour la faire parler... Après je sais pas si j'ai réussi à faire un petit truc de détente, tu vois. C'est-à-dire c'est quoi ? Cocaïne. Vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à savoir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas risqué pour sa santé.
Ça va la détendre un petit peu. Bon. Après, les aiguilles du début du siècle, c'est violent. Ah bah oui, mais en même temps, elle est en catatonie. Donc... Et est-ce qu'on peut écouter ce qui se dit dans la salle d'interrogatoire sans ouais, être ouais. dedans ouais. Non, non, vous, évidemment, il y a une ouverture par la porte. Vous attends, entendez. Attends, on a le droit d'entrer à plusieurs. Ah, vous pouvez entrer à plusieurs, vous ah, pouvez bah, tous rentrer si vous voulez. Moi, j'entre avec toi, mon père. Là. viens, et puis j'arrive derrière elle, puis tout doucement. Non, faut que ça fasse effet. Il y a la latence entre le moment. On peut y aller tout de suite, tac. Oh putain. De toute façon, elle est dans le même état qu'on l'a vu la veille. Oui, bah, allez-y. Je me mets dans un coin, pour l'instant, je fais rien, je sors ma seringue. Et je me mets dans un coin de la pièce. Par contre, bon. Si jamais il se met à exorciser, ma seringue, elle est pour le prêtre. Bon, mesdames, faut réfléchir à autre chose, hein. Une autre idée de piste. Hein. Ah oui, mais... Bah non, moi, je pense que c'est lui... Non, mais voilà, je... Le médecin, on est allé le voir aussi, non? Oui. Moi, je vais tenter ouais, bah... d'hypnose ou un truc comme ça. Mon petit produit vous aidera dans l'hypnose. Avant de lui injecter un truc, quoi. Je vais tenter, moi, plutôt quelque chose de cet acabit-là, quoi, voilà, d'essayer de l'hypnotiser, d'essayer... Ah bah de... vous voulez peut-être que je sorte de la pièce, du coup. Ah non, si vous taisez, ça ira pourrais... mieux. Ah, d'accord. Vous pourriez être hypnotisé aussi, en bas. Il va s'écrouler sur sa chaise. Oh là là, alors dites-moi okay. tout. Pardon. Dans cette pièce, très peu éclairée, tu sens une forte odeur d'urine. Tu penses qu'elle n'a pas été lavée depuis que tu l'as retrouvée, vous l'avez retrouvée sur son lit. Et elle est toujours recroquevillée sur elle-même. Elle est dans le même état. Dans le même état, ouais. Elle n'a pas les mêmes vêtements, par contre. Ils lui ont quand même donné des vêtements différents. Elle était toute nue en même temps, il n'y a pas de mal. Il est vrai. Microphone activated. Du coup, tu te... Comment tu comptes procéder? Bah, me mettre en face d'elle, appliquer ce que j'ai pu voir ou lire au sujet de l'hypnose, et puis avec un petit pendule devant. Et moi, tu sais, je me mets juste derrière elle. C'est... Tu vois la scène, il est là juste devant. Je me mets juste derrière elle. Je suis là derrière. Attends. Bah non. Elle me voit pas, je suis derrière elle. Moi, je suis à mon avis, elle voit personne d'ailleurs. Justement. Mais voilà, ouais, non, essayer d'être derrière elle, moi devant. Mais voilà, essayer de lui parler avec une voix plutôt égale. Voilà. Ok. Avec compter, voilà. Essayer d'hypnotiser, essayer de capter son regard au maximum. Déjà au départ, me mettre. Parce qu'elle regarde plus ou moins dans le vide. Ouais, c'est ça, ouais. Bah déjà essayer d'être en face de ses yeux, et après commencer une séance d'hypnose. Ok, donc tu te mets accroupi à sa hauteur, et comment non. tu... Ouais. Tu lui prends la tête pour essayer de choper son regard. Quand tu la regardes, elle semble le regard vide. Elle va me bouffer un doigt. Non, elles sont pas agressives, elle est vraiment... T'as l'impression qu'elle est plus là, quoi. D'accord. Allez. Tu... Ouais. Et là, elle réagit pas du tout? Non, elle te... Enfin, c'est... Tu l'as en face de toi, dans les yeux, mais tu sens son regard éteint. Est-ce qu'elle a une marque de piqûre, pas encore. Ouais. Non, mais justement, est-ce qu'elle n'aurait pas été piquée avant, quoi, est-ce qu'il l'aurait mis dans cette espèce d'état complètement léthargique? Parce que là, c'est même plus de la catalogie. Elle était déjà comme ça. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, on n'a pas regardé. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu une piqûre du coup? Ouais, mais c'est lié à un choc. Elle aurait été droguée. Bah, pas que, ah, si, pas on l'a examiné. On l'a examiné. Bah, si, on l'a examiné. Enfin, on l'a examiné. On en a conclu que c'est un lien au choc. Oui, mais on l'avait pas examiné, si tu veux, elle. Bah, c'est le moment, mon père. Ah bah, allez-y.
Ouais, je m'exécute. Ouais, je regarde. Elle se laisse faire, tu regardes un petit peu. Elle se laisse faire. Ah ouais, non, ne pose pas de résistance. Ok. Ici, voilà. Est-ce que vous voyez une marque de piqûre? Mais par contre, elle est réellement pas. Par contre, elle a réellement pas été pas lavée, pas que dalle. Non. D'accord. Ouais, moi, je demande le nécessaire, par contre, auprès des. Oui, bah oui, je comptais sur vous pour que vous le fassiez. par contre, ouais, donc je regarde partout si elle n'aurait pas été justement une drogue administrée. Il n'y aurait pas eu une trace de piqûre ou... Bah écoute, tu regardes la nuque, ouais, l'angle du coude. A priori, tu vois pas de piqûre. Je regarde le père, puis je secoue la tête. La photo, montrez la photo. Quelle photo Quelle photo Secret de sac. Je suis derrière la porte. Je sais même pas si on a eu chez Mais on a la photo. De Ressac, du coup, de oui, vous avez son, vous avez sa carte de flic. Hein. Oh, sa carte de flic. Mm. On va pouvoir se déguiser en degré sac. Mais si on peut lui faire voir la photo. Ouais. Donc là, quitte à essayer de recréer un second chat, quoi. Je la pique. Attends, avant de montrer la photo, je la pique un peu histoire de la réveiller. Non, bah c'est bon, ça marche pas. Elle va mon, faut qu'on teste tout ce qu'on peut. Ok, tu la piques. Ouais, dans un endroit pas trop visible, tu vois, histoire que je sois emmerdé après. Ouais, vas-y, entre les doigts. Là, c'est là, ça va y faire un choc, la machine. Paf, fartel, allez, claque, merde. Non, tu la piques. Il y avait pas un truc là où on pouvait mettre des chocs électriques là, et tout là, tu sais, pour réveiller les gens. Tout à fait. Pas clair. Ça, il faut un hôpital psychiatrique et je suis pas sûr que ça soit encore bien développé ici. Y a moyen de trouver ça. Une bonne prise de courant. Oh si, pour l'hystérie, je pense que si. Oui, c'est vrai, pour l'hystérie, soigner comme ça les gens. Ouais, mais déjà cette époque. C'est pas ah oui, c'est. Ils étaient très en avance. Ils étaient très en avance sur ça. Oui, je jouais beaucoup avec l'électricité à cette époque. Donc. Je pense que pour l'hystérie, c'était pas mal. Déjà, la piqûre, normalement, ça met pas très longtemps à faire effet, ce genre de petit dopant, là. Non, l'adrénaline, non, non. Est-ce qu'elle sourcille un peu plus? Est-ce que ça a l'air de... Quand tu la piques, tu... Vous lui montrez la photo de Gressac dans la foulée? Ouais, c'est le but, ouais. C'est, on la pique, on lui fait voir la photo de Gressac. Ok, bah là, quand toi... toi, le père Yassin, tu vois que... Tu vois, c'est comment? Ces pupilles qui réagissent directement. L'iris se rétracte. Et elle fait un bond en disant « Ah, Ferdinand !» Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Non, je vous écoute. Qu'avez-vous eu? C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Et où est son corps? Les larmes. Je l'ai découpé et mis aux abattoirs. Je savais bien qu'il y avait un truc dans la poubelle. Dans les poubelles des abattoirs, là. Mais pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est juste impossible. Imaginez la corpulence de monsieur de Grissac. Voilà. Enfin, je suis de l'autre côté de la porte, hein, mais je discute avec Edmond. Oui, bien sûr. Et le travail que ça demande. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais comment déjà? Elle est trop menue, elle est pas assez forte, enfin elle est pas... Avec quoi? C'est pas avec un petit couteau non plus. Je ne sais plus tout ça, c'est moi qui l'ai tué, je l'ai découpé en 14 morceaux. 14 morceaux. C'est précis. Et les 14 morceaux, vous les avez jetés dans la... Dans le dépotoir à carcasse. Ça fait beaucoup 14 morceaux. Dans les abattoirs. Près du canal de l'Ourcq. Dans un petit renfoncement. Il y a une carcasse de vache, j'ai tout mis dedans. Oh mon pauvre Ferdinand. Et pourquoi avoir fait ça? C'est la bande à Winship. Hein? Pardon? Winship, voilà. Alors,
Comment vous écrivez ça, madame? Et où on peut-on trouver cette bande à Windchip? Non, ne les cherchez pas. Récupérez Ferdinand pour lui donner des obsèques. Et bah 14 morceaux, il va falloir lui donner une boîte, quoi. Et donc sur un... Enfin, je lui tends le plan de Paris avec lequel on se balade tout le temps. Puis je lui demande où c'est exactement, où est-ce qu'elle l'a mis. Bah, elle va t'expliquer, c'est dans un petit... c'est dans une carcasse de vache, dans un renfoncement au niveau du canal de l'Ourcq. Elle t'explique qu'à côté, il y a une borne d'incendie ou quelque chose comme ça, comme un réverbère, quelque chose qui... Il y a un point de... où elle sait qu'elle l'a mis là. Non mais, si elle l'a vraiment fait, elle devrait avoir du sang sur elle, enfin, c'est pas possible ce qu'elle raconte. C'est juste impossible, c'est juste impossible. Bah, oui. Déjà, elle a pas la force physique, elle a pas... Enfin, non, par contre, on a une piste. Oui. Par contre, on a une piste. Oui. On sait où trouver... On sait où trouver le corps, et on sait... C'est pas lui. Vous trouvez peut-être les ordonnateurs. Bon, ça, vous avez pris quelque chose, la bande de Winship vous a donné... un produit, quelque chose qui vous aurait poussé à faire commettre ce geste? Non, non. Juste sauver Ferdinand. Il était gentil avec moi. Alors pourquoi l'avoir tué? Et pourquoi l'avoir tué de cette manière-là? Elles sont muettes. Que c'est les mêmes qui ont tué son mari, les autres maris. Je vais réessayer mon truc d'hypnose, du coup, maintenant qu'elle est plus réceptive. Ouais, attends. Mais moi, j'ai quand même de forts doutes. Hein. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut qu'on garde bien ça pour nous. Oui. Que personne ne soit au courant de ça. De toute façon, on va aller vérifier ce qu'elle nous dit. Que ça soit elle qui l'ait fait, enfin, moi, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, c'est pas possible. Non, moi non plus, pas forcément, mais... son esprit peut être brouillé aussi, hein. On peut très bien dire que c'est elle, et puis elle l'a vu faire en fait. Enfin, après, quand on aura trouvé le corps, on sera bien obligé de le dire quand même, hein. On va pas non plus cacher 14 morceaux. Et d'un autre côté, on s'était posé la question en faisant l'enquête sur ses maris, et savoir s'il n'y avait pas une personne extérieure qui tuait tous ses maris. Oui, c'est quelqu'un de sa famille. Et qui aurait peut-être voulu s'éliminer de Gressac. Donc. C'est surtout le pourquoi. On peut très bien l'avoir persuadé qu'elle l'a fait. Un amant jaloux, un frère, il veut pas partager d'un héritage quelconque, qu'est-ce que j'en sais. Tu peux me faire un petit test, s'il te plaît, pour l'hypnose? Je voudrais bien voir l'hypnose en direct, c'est dommage que j'ai... C'est en science de l'homme, en science du... Non, occultisme. Occultisme. J'aime bien jouer avec les câbles, on est à 4 là, c'est très marrant. Mais moi, c'est pas que je la brancherai pas, mais je te dis, j'ai peur de, au bout d'une heure, tu vois, de plus rien avoir et de pas pouvoir. Ça va éviter la batterie. Potentiel, c'est quoi? C'est mental, c'est ça? Potentiel, c'est 5, compétences, ça me fait 3. Et ça de difficulté, c'est combien? La suite. Attends, t'as combien déjà? C'est 3D. Le seuil de difficulté, pardon, c'est 8. On avait bien cherché si elle avait de la famille, Valentine. Est-ce qu'on avait trouvé si elle avait de la famille en un joli jet, ça. Très... Je sais pas. Tu fais ton... je sais pas comment tu procèdes, d'ailleurs. C'est moche, t'as moins une réussite. Il y en a même pas une. Sur 5D, il y en a pas un qui dépasse les 3. Si, pardon, il y a un 7. Et tout le reste, c'est 3. Comment je procède à l'hypnose? On sait rien, moi, comment ça se fait l'hypnose.
pour de vrai. Tu fais les gros yeux. Non, c'est. J'essaie. L'idée, c'est vraiment de la décontracter, d'essayer de la ramener au moment où elle. Elle a vécu son amant. Ce moment-là, le moment où elle l'a, voilà, où elle l'a vécu pour essayer de. Non plus les bons souvenirs, quoi. Non, mais pour qu'elle relate en fait, qu'elle relate véritablement ses actions et ses actes. Moi, dans mon idée, elle l'a pas réellement fait. Donc, oui, mais peut-être lui faire revivre tous les derniers moments où elle était avec lui jusqu'au moment de son décès, c'est ça, en fait. Ouais. C'est ça, lui faire revivre tous ces moments-là. Donc c'est vraiment l'idée, quoi. C'est. Ok. Tu commences à balancer ton pendule doucement, droite, gauche, et tu vois que son regard repart comme il était au début de l'interview. Elle semble repartir dans son mutisme. C'est marrant, je passe ta affaire. Et tu mettras un petit point de porte à névrose. Oh. Et j'arrive à m'hypnotiser tout seul, quoi. Non, t'es fixé. Non, mais elle semble quand même fragile. D'accord. Microphone activated. Ok. Je me suis aussi souvenu d'un truc là. Le notaire pour les deux affaires était le même. Ouais. Oui. Oui. Il me semble que vous avez déjà interrogé le notaire. Il me semble, ouais. Ce qui nous a permis d'avoir son adresse. Gobillot. Gobillot, ouais. On n'avait rien appris de précis. On n'avait rien appris, d'accord. Non. Non, mais là, on a quand même des. On a quand même gras, là, pour une fois. Oui. On va essayer de découvrir le corps. Hein, c'est on va avoir la scène de. Enfin, ouais. Le reste. Oui. Tout ce que j'espère, c'est que c'est pas de Grissac. Quel horrible fin. Ah oui. Vous. Avant de partir, est-ce que je peux soudoyer une des gardes ou gardes, parce que je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. De façon à ce que si jamais Valentine recommence à parler, ils me préviennent. Enfin, ils nous préviennent, nous, à notre bureau, du coup, puisqu'on a un bureau. Bien sûr, de toute façon. Oui, quoi qu'il arrive, la police serait prévenue, vous serez prévenus. D'accord. Il va certainement y avoir d'autres interrogatoires par d'autres polices de la préfecture de police de l'Épine. Elle va passer de toute façon un bon moment à être interrogée si elle répond. Oui, mais. Ils n'ont pas notre talent ni notre finesse. Non, mais le truc, c'est que s'ils disent des trucs pour l'épine, c'est bien, mais ça serait mieux que ça soit pour nous, tu vois. Même à la limite, que si jamais elle doit être interrogée à nouveau, s'ils pouvaient me prévenir moi, ça serait bien. Ok, tu comptes le soudoyer comment le maton Je dois avoir un peu de sous. Je suppose qu'il ne gagne pas beaucoup dans une prison, donc je me suis dit. Ça doit pas gagner beaucoup un maton. Enfin, ouais, je lui donnais, je sais pas. J'ai pas trop notion de la valeur de l'argent en 1900, donc je sais pas. Propose-lui un rendez-vous. Ah, tout de suite. Ah bah, on n'avait pas déjà fait. T'avais pas déjà fait ça, Gabriel. J'ai déjà fait ça de multiples. Je crois. Non, mais là, je vais juste. Une petite fiole d'alcool et c'est bon. Je veux juste lui donner un peu de sous, donc je sais pas l'équivalent d'un. Ouais, d'accord. Bah écoute. Tu lui donnes. Tu lui donnes ce petit pourboire. De toute façon, il te dit, moi, je serai. C'est juste. Qu'on ait la primeur en fait des informations, si jamais elle parle, si jamais il y a quelqu'un qui demande à la questionner et qu'elle parle, hein, parce que si elle parle pas, je m'en fiche un peu. Ouais, bah lui te dit de toute façon qu'il sera en poste une bonne partie de la journée. Parfait.
et il fera passer le mot à ses collègues pour en avoir pour avoir les réponses. Ouais, puis Bertrand, pense à laver cette pauvre dame quand même, hein. On va pas laisser dans cet état. Hein. Ouais, bah oui. Ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Hein. Après ce qu'elle a fait. Le père était pas censé leur dire. Oui. Ah si, si, il l'a dit, mais bon, ils vont pas forcément obéir. Hein. On est dans une prison. Voilà quoi. Non, si, enfin, s'ils obéissent pas, moi je m'en occupe. Elle était chrétienne. Ben, en tout cas, quand vous partez, elle est pas lavée, il n'y a pas un brodo ni rien à côté. Ouais, moi je leur ramène le brodo. Bah mon père, on a autre chose à faire là. Hein. Ah, t'appelles les petites sœurs de la charité et tu les expédies là. Bah oui, voilà. Alors mon fils, on peut pas laisser cette pauvre âme dans cet état. Oui, on a quand même Monsieur de Gressac, peut-être potentiellement Monsieur de Gressac qui est au bord du canal. Hein, donc oui, on bah, il y a des priorités. Il est éparpillé façon puzzle, Monsieur de Gressac. Logiquement, tout est regroupé dans le poitrail d'une vache. Hein. C'est sympa. On a peut-être intérêt à se dépêcher aussi. Hein, parce que... Ouais, surtout que. Mais la vache était-elle vivante, c'est ça le truc. Bah, j'espère que non. Non, mais je ramène le bro là, quand même avec de l'eau. Ça va faire presque une journée qu'il est dans le poitrail d'une vache, hein. Peut-être se dépêcher. Hein. Ah bah il va pas en partir. Bah, il est au chaud. Justement. Pauvre monsieur de Grissac. Et puis voilà, quoi, je pose ça à côté d'elle. Et puis ben, j'y vais, quoi. Un peu un contre-coeur, mais bon, ben. Ok, bah vous la quittez, toujours recroquevillée sur elle-même. Donc, direction les abattoirs de la Villette. Allons déjà vérifier ces dires. Première vache que je croise, je regarde dedans. Déjà, il faut s'assurer que ce cadavre, si je... Que ce soit bien monsieur de Gressac. Oui, déjà. L'identité. Ça, on compte sur monsieur Delaunay. Je pensais que ça ne pourrait ne pas être lui. Une mort aussi, je sais pas, c'est quand même un homme avec un certain de la ressource, ça me paraît. Vous êtes sûr de rien cette enquête, j'ai l'impression. Plus général, en tout cas, il faut s'en assurer. Il y a moyen, pendant le trajet ou juste avant, depuis le commissariat, d'envoyer un petit télégramme. Ouais, il y a un bureau pas très loin de la prison, justement. Donc je vais envoyer un télégramme, du coup, à un de mes contacts, à Liébeau, Ambroise Auguste Liébeau. Ouais. Tu vois qui c'est ? Attends. Et pour lui dire que bah, j'aurais besoin de... nécessité d'un expert en hypnose. Supposition de veuve noire et d'homicide. Besoin d'aide urgemment. Stop. Ok. Moi aussi, je vais utiliser un de mes contacts. Je voudrais utiliser l'archiviste du petit Parisien, André Morville. Je voudrais savoir s'il a des informations sur cette bande-là, la bande à Winship. Ok. J'envoie un télégramme aussi. Ça marche. Je note vos trucs et vous aurez une réponse quand vous retournerez chez vous la prochaine fois. Yes. J'ai un contact, je me rappelle, je suis incapable de me rappeler ce que c'est. C'est qui ? Le premier, celui qui a 3 points. Ouais, mais on regardera si tu veux. Ouais. C'est dans le livre. Moi non plus. Sûrement un contact au pro, peut-être l'évêque ou... Non, du tout. Ok, vous partez direction les abattoirs. Plus précisément au canal de l'Ourcq, comme vous a stipulé Valentine. Donc voilà les petites photos pour situer. Comment vous allez procéder pour essayer de retrouver... On nous a indiqué sur un plan. Ouais, bah essayer de retrouver la benne... Non, pas sur un plan à des vous. Des abattoirs. Ouais, elle nous a juste parlé d'une vache en fait. Putain, il va falloir qu'on trouve une vache... Ouais, il va falloir qu'on fouille.
Ouais. D'ici là qu'elle soit passée déjà prête à faire de la viande et tout. Oh putain, c'est dégueulasse. Les gens, ils vont manger deux aigrettes. Ah non, mais si c'est une carcasse, une carcasse ou c'est... Oui, doit pas être très vivace, hein. Ouais. C'est une carcasse ou une vache? C'est une carcasse, c'est une carcasse. Une carcasse, c'est dans les poubelles, donc il faut qu'on fouille les poubelles. Bah, on se partage les poubelles, hein. Bah oui. Alors, vous vous partagez les poubelles, parce que moi j'en ai un peu plein le cul de faire les poubelles ici. Il prendra du steak haché. Attendez, juste deux secondes. Ouais, j'ai plus de stylo, les gosses. Ouais, ça, c'est tout pareil. Ok. Vous savez de toute façon que les carcasses, elles sont mises au bord du canal parce qu'après, elles sont récupérées pour partir, pour être broyées et fertilisées. Et en fait, elles sont remontées par la Seine. Et Valentine, vous avez parlé d'une bouche à incendie, a priori. Elle avait dit qu'il y avait justement cette benne à ordures, la carcasse de vache dans laquelle il y avait les 14 morceaux de degré sac et une bouche à incendie à côté. C'est ça. Vous allez remonter du coup le canal de l'Ourcq à la recherche de cette bouche. Et au moment où vous tombez sur justement cette une bouche rouge, et il y a plusieurs carcasses de vache qui traînent là. Eh ben, c'est parti, bah, on va chercher. Et maintenant, allons-y gaiement. Eh ben, allons-y, fouillez-les. Vous fouillez. Et pendant que vous fouillez, il y a... y a un petit vieux qui se pointe pas très loin de vous. Quand vous le regardez, vous voyez que c'est un homme qui a du vécu. Il a la peau qui fait des cratères sur, sur son visage. Il a un pif complètement bouffé par l'alcool. Plus dedans. Vous aussi, vous venez chercher la viande? Dites-moi, mon brave, vous avez l'air d'être particulièrement affûté. Est-ce que vous auriez vu d'autres personnes intervenir dans le coin? Non, non, moi, je viens juste récurer la viande sur ce qui reste des os. Bah, écoutez, on vous en laissera, vous n'en faites pas. Je fais mon neveu. Il part dans son coin. Après, il y a peut-être beaucoup de carcasses. Bah, pas de vaches complètes. Vous trouvez des fémurs, des trucs comme ça, mais vraiment, la cage thoracique d'une vache, il y en a quelques-unes. Allons-y, mettons des gants et c'est parti. T'as des gants, toi? Ah bah, moi, j'ai toujours des gants. T'en as de tes camarades ou pas? On en demande. Ah bah oui, on va lui demander, quand même. Monsieur Delaunay. Ouais. Docteur Delaunay, est-ce que vous auriez des gants à nous passer? Bon, et puis là, entre nous, c'est votre domaine, les bêtes froides. J'avoue. Écoute, j'y retourne, de toute façon, j'y suis dû aller, hein. Moi, ça me dérange pas, mais par contre, j'ai pas de gants à vous prêter, non. J'ai que mes gants à moi. Le mieux, c'est quand même de pas laisser nos empreintes. Moi, je le regarde faire. Ah oui, bah du coup, hein. J'apprends, je vous regarde, monsieur Delaunay, je n'ai pas l'habitude non plus. Dommage, les petits gants en dentelle auraient été parfaits pour remuer toute cette viande putride. Non mais vous faites ça si bien, monsieur Delaunay. Donc on regarde monsieur Delaunay dans ses carcasses. Je mets la tête dedans et tout. Non, bah écoute, je fouille, hein, tout ce qui peut ressembler de plus ou moins à une vache, comme elle nous l'a dit. Ok, bah effectivement, un moment tu trouves dans la poitrine de la vache, tu trouves ce qui pourrait ressembler à certainement un mollet. Un mollet? Ah, ça va pas être simple de savoir si c'est celui de Gressac. Quand tu soulèves, quand tu soulèves la petite bâche en jute ou en tissu imbibé de sang, tu découvres un torse, des bras coupés, des mains. Et la tête. Et la tête.
Alouette. Bah, je vous ai fait signe hein, déjà de loin. 14, hein, faut les compter. Merde, y a... ouais. Bah, du coup, on va étendre une toile et puis on va déposer les découvertes de Monsieur Delaunay. Ok, bah vous arrivez à reconstituer un corps qui pourrait être celui de Gressac. Seulement, il manque la tête. Ah ouais, donc on a rien pour l'identifier. Ouais, c'est ça. Mais, alors, peut-être on aurait, c'est-à-dire il y a les mains. Est-ce que les empreintes digitales avec la méthode de M. Bertillon, peut-être qu'il pourra nous l'identifier. Est-ce que vous croyez vraiment à la méthode de M. Bertillon? Bah, écoutez, je sais pas, mais la dernière fois, il y avait des mains. Il nous parlait de mains, pas de tête. Hein. On n'a aucune idée d'un signe distinctif de M. Desgressac. Enfin, après, on ne l'a pas trop vu tout nu. Au niveau de la corpulence, on peut savoir quand même déjà si c'est un homme ou une femme, s'il est grand, petit. Oui. Le corps est en bon état, là. Et il est, ça a été découpé avec ses affaires ou il est à poil? Ben non, ses affaires, il est à poil, là. Ouais. On n'a aucun signe distinctif qui nous permette de le reconnaître, même sans, sa tête? Bah, vous n'avez pas trop eu, enfin, vous avez pas trop eu l'occasion de le voir sans chemise, par exemple. Pas un peu connu, genre il y a une tache de naissance quelque part ou... Non, ça vous dit rien. Je sais pas si Adèle et Gabriel ont passé du temps avec De Gressac. Il manque un doigt ou un truc. Mmh. Non, moi j'étais en admiration devant sa moustache après. Non, je sais pas ce que vous avez pu faire de vos soirées. Je comprends ça. Et du coup, est-ce qu'il y a 14 morceaux ou pas? À 13 ouais, ouais, il manque la tête. Donc il y en a que 13. Il y a 13 morceaux. Voir si ce qu'elle nous a dit, c'est pas des conneries. Non, normalement il y a 14 morceaux en tout. Ouais. Et la tête, a priori, n'est plus là. Donc, il en a trouvé 13. Oui. Sauf qu'elle a bien dit qu'elle avait tout mis dans la vache et dans cette banane. Oui. Ah oui. Est-ce que la tête a roulé, peut-être? L'arme du crime vous paraît évidente, hein, pourquoi est-ce que ça aurait pu... L'arme du crime, après ça sera un objet tranchant. Peut-être un couteau. Un choir, peut-être. Rien qu'on puisse trouver. Un canif. Faut être patient. Un petit couteau Ikea. Faut être patient. du coup, on va chercher la tête. Bah ouais, on cherche cherche un peu autour, voir si je trouve pas la tête. Non, a priori tu trouves pas la tête. Et donc oui, au niveau de la corpulence, donc ça peut évoquer quand même Monsieur De Gressac ou ouais, ça correspond pas ça y ressemble. Et les mains peut-être. Ouais, quand mais même. La corpulence c'est facile à imiter quoi. Oui. Il y a pas un seul signe distinctif qui nous permettrait de le reconnaître. Non mais non. Par contre, je suis assez d'accord avec Gabriel. Je pense qu'on peut peut-être soit prendre une main et la mettre, ou alors prendre des empreintes avec je sais pas quoi, hein. Du sang. Tu badigeonnes la main dedans et puis tu fais. Attends, déjà, on va peut-être prévenir la police parce qu'on a quand même découvert un corps. Hein. Non, bah, écoute. Oh là là, c'est un peu la police. Hein. Bah oui. Oui, non, mais au moins déclarer la découverte. Oui, bah. Moi, je suis pour qu'on prenne les empreintes avant et puis on appelle après. Après, ça a été déposé comme ça. Enfin, il n'y a pas de sac ni rien. Les morceaux étaient directement à l'intérieur de la carcasse. Ouais, avec juste un espèce une toile de jute ou quelque chose, un tissu un peu rêche dessus. Pour cacher le corps, certainement. On examine. Mais c'est pas elle qui l'a ramené là-bas, quand même. C'est pas possible. Il n'y a pas la marque d'une boucherie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas écrit la bande à Winchester. C'est vous qui l'avons fait. Un ticket, oui, un ticket de caisse. Non. Rien. Numéro 68, il est au point. Est-ce que c'était dans le coin où j'avais... Parce que j'ai déjà fouillé, moi, cet endroit-là. Ouais, mais t'étais pas par là. J'ai jamais été par là, d'accord. Okay. Non. Alors, une autre question. Entre le domicile de la demoiselle et cette zone-là, il y a combien de distance? C'est une très bonne question. Parce que il n'y a pas beaucoup, je crois, non, parce qu'elle travaille à l'abattoir. Elle a fait un voyage, quoi. Enfin, oui, non, mais. De toute façon, on n'était pas loin. On le voit, il faut les ramener. Non, ouais, vous n'étiez pas loin. De quoi, mon père? Faut les ramener, les 14 morceaux. Donc... Bah oui, mais bon, De Gressac, il faisait pas 20 kilos, quoi. Faut le traîner. Hein, Non seulement faut les couper, mais en plus, faut les ramener. Qui plus est, dans un sac en toile de jute plein de sang, ça a été mis comme ça directement dans une vache. Ouais, non. Ah oui, non, tu peux pas te balader comme ça. Je suis sûr que c'est pas elle qui l'a emmené ici.
matériellement, ça me semble impossible. Ou alors, elle a accompagné, tu vois, où il y a un truc, mais... Moi, je pense qu'elle ne l'a même pas accompagnée, parce que vu dans lequel... Dans les elle avait le détail de morceau, quand même, et savait où c'était. Ah ouais, c'est... ouais, bah peut-être qu'on lui a dit. Mais je sais pas, peut-être qu'on l'a hypnotisé, comme l'a dit le père, et qu'on lui a dit, tu l'as tué, et puis tu l'as mis dans une vache. Tout m'a poué. Omar, Omar, tout m'a poué. C'est toi qui l'as tué, sinon je sais pas quoi. Oui, voilà. Menace. Elle était quand même toute nue. On se promène pas toute nue dans Paris, hein. Ça se saurait. Et on n'a pas retrouvé l'arme non plus. Non. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. On peut quand même fouiller aux alentours, être sûr qu'on n'ait rien laissé passer, une arme, une tête. Une tête. Au hasard, une tête. Regardez sous le lit s'il n'y a pas une tête qui traîne. Ah non, mais non, au niveau de là où on a trouvé le corps, en élargissant un petit peu le périmètre, voir si... Ah, ils ont pris la tête pour pas qu'on l'identifie, ça c'est clair. Ah oui, oui, ouais. Mais par contre, c'est pas con de prendre les empreintes et puis de les emmener. Ah, ouais. Je vous remercie. Oui, oui, il faut prendre. Moi, j'ai mon calepin là pour faire un très joli article. On a plein de sang, on peut tremper. Voilà, monsieur, sang, voilà. Allez-y, monsieur Delaunay, on y va. Je vous passe mon calepin et vous me faites les empreintes des deux mains là. Ça, déjà. Bah, des pieds même, hein, si tu veux. On a oui, tout, des hein. pieds. Enfin, tout ce ah, ça marche aussi avec les pieds. Tout ce qui cette science me surprendra toujours. C'est incroyable. Mais je ne sais pas, c'est une nouvelle science, pourquoi pas. Les empreintes. Mais je crois qu'il faut vous ouvrir, hein, Edmond. Vous n'êtes pas assez ouvert à la science, je crois. Arrêtez d'aller voir vos amis prostituées, là. Prenez des livres, apprenez des choses. Ah, ça aussi. Ouais, clairement, ouais. Quand vous êtes en train de parler, vous entendez des bruits pas très loin de vous. Vous voyez plusieurs hommes en fait qui s'occupent de balancer des carcasses sur une péniche. Ah, messieurs, venez donc par ici. Nous avons trouvé quelque chose. C'est bizarre votre viande dans le coin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous travaillez ici? Ouais, on récupère les carcasses. D'accord, est-ce que vous avez travaillé hier à ce même endroit? Je travaille tous les jours, mon monsieur. Et à quelle heure? Est-ce que vous étiez présent dans l'après-midi, en soirée? Non, nous, c'est le matin qu'on travaille. D'accord, il n'y a personne qui travaille le soir? Je crois que c'est le matin qu'il faut nettoyer Paris. D'accord. Pour la puanteur, pour les bourgeois. D'accord, et vous auriez pas vu quelqu'un d'étrange traîner dans le coin ces derniers temps? En général, il n'y a pas trop grand monde qui traîne ici. Hein. Vous avez vu l'odeur? Ah bah d'autant plus. Si vous, et vous faites quoi ici, vous? Eh bien, écoutez, on vient de découvrir un corps. Ah, mais il y en a partout des corps. Vous êtes un marrant. Ah, ou... il y a un corps d'homme, monsieur. Oui, un corps d'homme. Découpé ouais, juste là. Je lui agite la main sous le nez. Ça arrive de temps en temps que les Apaches viennent laisser quelques cadavres ici. La première fois, d'accord. C'est pour se débarrasser des cadavres. Vous parlez des Apaches, est-ce que vous connaissez les Winship? Est-ce que j'ai une tête à ma coquinée avec ses raclures? Ah, vous les connaissez donc? Bah non. Ah, vous en connaissez plus que nous, on en connaît toujours. Pour savoir que ce sont des raclures. Bah les Apaches, c'est des raclures, on le sait. Oui, d'accord, mais le nom Winship vous dit quelque chose? Oh bah non. Bon, si vous pouvez me laisser faire mon travail, là. Peut-être que moi, je suis payé à la pièce. Hein. Ouais, non, mais là, vous avez jeté les carcasses qui viennent d'où exactement, là? Dans la péniche. Dans la péniche qui est en bas. Là, c'est les carcasses des abattoirs. On les prend, on les broie et on les balance dans la Seine-et-Oise pour fertiliser les sols. Ça, j'avais bien compris, mais là, votre travail d'aujourd'hui, vous l'avez fait d'où? Enfin, vous avez pris les carcasses d'où? Est-ce que vous avez pris les CV carcasses du secteur là ou d'ailleurs? Non, c'est là, on remonte le fleuve et on balance. Il va falloir utiliser des mots plus simples, mon père. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas compris. Moi, dire vous, pas où vous allez, mais d'où vous venez. Il va se prendre. Là-bas, là. Et il te montre le bas du. En bas, enfin. À l'amont de... Non, à l'aval, de vous.
Et donc, est-ce que vous voulez savoir, mon père, c'est s'ils avaient fouillé dans le quartier où, exactement, où on a trouvé le corps à côté, s'ils auraient pu attraper la tête, enfin, si la tête aurait pu être mise dans une autre vache. Donc, est-ce qu'ils avaient déjà vidé cette benne? Non. Ouais. De toute façon, il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on prévienne la police. La police? Effectivement. Ah bon, vous repartez avec le cadavre? Non. Bah oui, non, par contre, non, mais par contre, tu as pris les empreintes. Oui, on prend réellement des empreintes avec je sais pas quoi, le sang. Non, bah le sang, c'est faisable. Ouais, bah avec le sang. Ouais. Voilà, sur Bocaille et d'Adèle, impeccable. C'est ça. Un bel article après. Ça vous fera un souvenir. C'est ça. Ah bah de Gressac en plus. Hein. De peine hein, quand même pour lui. Il était à la mode, mais je connaissais pas cette façon de faire les tampons. Ça doit être bien dégueu. C'est ton truc qui doit être tout dégoulinant. Non, écoute, je n'y pense pas pour l'instant. Nous menons l'enquête, donc je vais voir que ça. Peut-être que d'ici demain, je m'apercevrai de ce que j'ai dans. Sur mon carnet. Là, je suis dans l'ambiance, tu vois. Après, il suffit de trouver un téléphone et de faire venir. Oui, bah même agent, tout... hein. Ouais, il y en a qui circulent quand même dans les abattoirs, ouais. Pas très loin. Quand vous l'appelez, vous lui dites qu'il y a un corps. Après, vous lui montrez évidemment vos plaques et il n'y a pas de problème. Les bouts, quoi, surtout. Vous, Périasson, c'était quoi, toi, t'es illuminé ou mentaliste? Mentaliste. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je vais aussi récupérer un morceau du toile de jute miteux là, qu'on a trouvé, au cas où ça nous donne un indice. Imagine qu'on trouve le reste du morceau de ça. Toile de jute. Toile de jute. Cafarino. Après, enquêter sur les windships. Ouais. Oui, il n'y a personne qui peut connaître sur les windships, là. J'ai une connaissance. Oui, c'est pas au genre de contact. Bah, moi, j'attends ma réponse quand je serai rentré chez moi. Mais les windships dans le journal, ça doit forcément dire quelque chose pour. Bah oui, bah, c'est pour ça. J'attends l'archiviste. Oui. C'est plus dans le milieu, non? Bah, ça doit être connu quand même. Apparemment. Après. Moi, c'est des trucs de quartier, donc il faudrait. Ouais, voilà. Des bandes de quartier. Toi, Edmond, ça ne te dit rien. D'accord, mais ça dit peut-être à certaines de mes connaissances. Oui, bah, de toute façon, Adèle a lancé l'hameçon. Il faut laisser le temps à l'archiviste du petit Parisien d'étudier tout ça. Ouais. Bon, par contre, il faut qu'on voie avec. Artillon. Ah, oui, ben non, mais avec la. Mais même, enfin, mais faut qu'on voit avec la police comment ils vont prendre ça, quoi. Là, bonjour, tenez, c'est de Gressac. Bah, on a trouvé un corps. Non, on dit pas que c'est de Gressac. Mais non, parce qu'on est. Écoute, on a quand même les 95% de chances que ce soit de Gressac. Ça se trouve, c'est pas lui. J'ai des doutes moi-même. Comment? J'ai des doutes. Tu as des doutes sur quoi? Vous avez des doutes sur quoi, monsieur Roland? Vous pensez que c'est pas de Gressac? On sait rien. Alors, je me demande moi si c'est pas elle qui a été manipulée. Et, par contre, pour que ce soit de Gressac, ça c'est malheureusement fort probable. Ah, je suis un peu comme vous. Hein. Je ne pense pas que ce soit elle qui ait fait tout ça. Ah oui, non, mais ça je suis d'accord ça, aussi. C'est sûr. N'oubliez pas aussi qu'elle est enceinte de 8 mois. En plus, oui. En plus, Ah oui, en plus, c'est vrai qu'on aura du mal. Ça va être compliqué de justifier le mode opératoire. Oui. Bah si, c'est facile, le mode opératoire, c'est l'hystérie de la femme enceinte. Attendez, l'adrénaline. Attendez, une idée, là, parce que là, on est d'accord. Une contraction. Chut, le docteur a une idée. Il y a un truc on est d'accord que là, si on ramène le cadavre, qu'on dit qu'on a trouvé ça, ils vont nous demander pourquoi on a trouvé ça, comment on a trouvé ça, il va bien falloir qu'on explique que c'est elle qui nous a dit que le corps était là. Si on fait ça, elle est morte. Il n'y a même plus de jugement, il n'y a que dalle. Non, mais on n'est pas obligé de dire comment on l'a trouvé. Ouais, non, mais qu'on se mette d'accord. Parce que, juste notre flair.
Attends, c'est pas très loin de chez elle. C'est pas loin de chez elle, Non, mais c'est pas loin de chez elle. Elle a du sang sur le corps. Elle est en catatonie depuis le truc. Oui. Nous, on a des doutes. C'est sûr que c'est mal parti pour elle. Je peux dire qu'il y en a qui vont pas avoir de doutes. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais si tu veux, t'es pas obligé de dire que c'est elle qui nous a dit d'aller fouiller là. Après tout, on n'est pas loin de chez elle. Ouais, ah, on en sort. Oui, mais attendez, on n'est pas loin de chez elle. Ils vont vite fait avoir fait le raccourci. De toute façon, en plus, on va arriver, on va aller voir l'autre et puis on va lui dire. Est-ce que ça, docteur, c'est les 22 degrés, ça ? On n'est pas là pour enquêter, on n'est pas là pour la protéger, on est là pour enquêter. Oui. Hein, donc, mais si vous arrivez de l'honneur. Elle est déjà emprisonnée, à vrai dire. Donc, pour l'instant, ils ne vont pas. On arrive à prouver qu'elle est innocente, elle sortira pour l'instant. Ouais, bah, c'est vrai qu'il risque d'être raccourci au niveau de la tête, elle aussi. Oui, mais la justice va passer vite, monsieur Roland. Donc. Il l'appelle déjà la main noire, donc de toute façon, sans ces indices-là, elle est déjà bien cuite. Alors, et je vous rappelle que... Entre le moment où on incarcère et au moment où on décapite. Oui, du timing. 15 jours. Ça dépend ce que tu as fait, à quelle vitesse. Rappelez-vous que un planton a dit que l'épine voulait que ça aille vite. Ouais, moi ça me fait un peu, peur d'aller tout déballer là comme ça. Ah oui, sous cette perspective-là. Mais quelle heure est-il ? 15 morceaux. Là, vous êtes en fin de matinée. Ah, on va aller manger, on va parler de tout ça et puis on va voir. Avec les morceaux de degré 5 sur le plateau. Vous avez bien appétit. Degré 5. On va pas parler de ça. Allez-y, monsieur Delaunay. J'ai pas forcément envie d'aller voir la maison Poulaga tout de suite, quoi. Oui, mais qu'est-ce que, ah bah là, on est obligé, qu'est-ce hein. que vous voulez qu'on fasse ? On peut pas laisser ces morceaux-là. Moi, je peux vous les garder au frais. Ah, voilà. ça c'est bien. C'est pas très légal, cette affaire, docteur. Hein. Surtout que n'oubliez pas que ça vous engage vous personnellement si jamais on découvre ces morceaux votre chambre froide. Ça, c'est pas grave, ça. Thank you.